Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Forge Magie. On est sur un crocano, un item assez récent qui est sorti récemment, qu'on va essayer de faire soit en Overvita, soit en GPerf Exorez, selon ce qui se présente à nous. Là, a priori, ça a plutôt une tête d'Overvita, quoique en jouant sur la rune pod, on peut faire d'autres trucs. On verra bien. Bref, en tout cas, on a fait tomber le PA à la rune crit, donc on a 92 depuis. 92 depuis, on va commencer par la puissance qui nous arrange pas trop ici. Moins 6, il va falloir y aller sur un over pour avoir le perf. Allez, il faut que ça passe. Ok, cool, moins 20. C'était la partie un petit peu délicate. Je vais y aller à l'arrêt neutre. Merde, il me fallait une rune qui passe 4, c'est vrai que c'est de la puissance. Bon, c'est pas un mauvais choix pour autant, mais j'aurais peut-être pu mettre une tacle ou une fuite, ça aurait été pas mal. Tout va bien, donc ok, on a enlevé ça. Ensuite, la sagesse aussi qui nous embête. On va aussi faire un over, je pense. Donc là, on a moins 7. Et on a 2 de sagesse, donc 6 à récupérer, c'est parfait. On va les enlever à la par écrit, par exemple. Ok, moins 6. Moins 12, alors vous voyez comment toujours être attentif à aller chercher les lignes perf, hein, c'est la raison pour laquelle je fais de la FM, hein, c'est pour aller chercher les belles choses. Donc on a 47 depuis, bah, je pense qu'on va partir en Overvita, hein, très simplement ici. Allez, c'est parti. Donc une rune vie, deux runes pavie. Ok, et quatre runes ravie. Bon, on a un petit over, c'est léger. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. On a fait tomber le PA à la rune Cri. On a 90 depuis. On va avoir le GPerf en Vita, ça c'est plutôt chouette. On va avoir un petit souci de sagesse. J'ai presque envie de tenter le passage comme ça en fait. Est-ce que je tente le 22 sagesse? Oh, j'ai envie de le tenter, soyons fous. Boum. Moins 3, parfait. Donc on a un overpuissance à faire ici, qui va être un petit peu embêtant, mais ça va, c'est pas trop méchant non plus. Ok, ça passe très gentiment. Moins 6, 81 restants. On va venir récupérer le petit over, on va y aller sur de la repou pour l'instant. Ok. Et pour les dernières, on va y aller en raie neutre, tout simplement. Parfait, bon, tout se passe très bien pour le moment. On va mettre les petites par écrit. Moins 4. Moins 6, les pavis. Moins 12. 59 depuis la sagesse. Attention, ne pas oublier de la mettre à 25. Moins 9. 50 depuis. Bon bah je crois que ça veut dire 5 ravis, hein, on connaît l'histoire. Allez, go. Une. Ce sera une. 350. Bon, c'est propre. Sans être un over incroyable. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Le PA est tombé à la rune critique. Ça nous fait 94 depuis. On va devoir over la puissance et la sagesse. Je vais commencer par la sagesse. Ok, ça coûte cher, hein. Les runes Passa qui pèsent quand même bien lourd. Alors on a 3 à récupérer. Je vais aller les mettre. J'ai envie de les mettre sur la pavie en fait. Allez. Nickel. Ensuite la puissance. Ok, ça passe sans crit, très bien. C'était un petit peu embêtant. On va mettre les repous à 5. Ouais, à 5, comme ça on est congru à 20 modulo 3, et ça c'est ce qu'on veut bien sûr. On va monter chez les repos du coup maintenant. Là vous voyez qu'on va tomber tout pile à 20, c'est parfait. J'ai une, deux, j'ai moins 12, ok, j'ai eu du crit, c'est plutôt cool. Ensuite il va nous falloir la petite récré, moins 2. La par écrit, ou plutôt les par écrit.
Moins 12. 41 de puits restant. On va mettre une rune vie. Et 4 à vie. J'en ai mis de trop. J'en ai. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait nimp. Est-ce qu'on remet le crit? Oh, dommage. Bon, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA de toute façon. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû zapper 10 depuis quelque part. Tant pis. 95 depuis sur le PA qui tombait à la part époux. Alors, encore une fois, on a la sagesse et la puissance qui sont un peu capricieux. On va balancer la papuie. Ok, qui passe. Moins 6. Du coup, à la rune sagesse, on peut avoir le moins 2 de puissance. Bon, on a plus 1. Moins 6, c'est correct. La passe à qui passe, moins 9. Là, on a des valeurs plutôt correctes sur les lignes. Ça nous arrange bien. On a du crit en plus. Moins 12, hein, c'est très très bien. On va avoir une belle tenta là, 63. Hop. 6 ravis, c'est beau. C'est plutôt beau. Pour peu qu'on ait un peu de crit. Ok, une crit. J'espère que cette fois-ci j'ai bien compté mon puits. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Le PA est tombé à la rune, pas ça. On a 96 depuis. On va encore devoir faire overpuissance, mais cette fois-ci, la sagesse nous arrange. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moins 6. Alors, je pourrais y aller à la papuie, je vais y aller à la rapuie pour maximiser la variance. C'est parce que je vois que ça a quand même tendance à plutôt bien passer. C'est pas spécialement capricieux. On va enlever l'over doucement avec. Allez, on va mettre la récrit. Qui crit. Très bien. Donc là, on a 2 de puissance à enlever. Alors là, pour le coup, je vais y aller. À la rune. Alors, attention, j'ai mis une pataque. Mauvaise idée. La rune tac, par exemple. Qui crit, étonnant, on gagne du puits. Bon, bah on s'en sort bien. La part écrit, qui passe pas. Donc j'ai eu moins 6 et moins 2, donc moins 8. La part époux, moins 6. 56 de puits, donc 2 pavis, 5 ravis. Ça peut donner un bel item. Ok, on est déjà sur un over plutôt sympa. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Le PA est tombé à la rune Répou, on a 97 depuis. Enfin, on aura besoin de faire ni un over puissance, ni un over sagesse. Ça fait du bien, c'est assez rare pour le noter. On a du crit. Ouh, ça part très très bien. On va avoir une énorme tenta ici. Moins 9, plus que réécrit, répou à remonter et on part sur la vie, ça se présente vraiment très bien. Moins 2 ici. Ok. Moins 18. 68 de puits restant, on va mettre 2 runes vie. Ouais. 2 runes pavie. Et 6 ravis. Allez, 1, 2, ok, on est déjà sur un gros gros G ici. Bon, j'aurais bien aimé en avoir une bleue plus, mais c'est déjà très beau. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Le PA est tombé à la rune cri, on a 88 depuis ici. On a encore une fois des lignes qui sont plutôt pas mal au niveau des congruences au Gmax. Moins 27, ou la sagesse qui nous coûte très très cher. J'espère que la rapuie ne va pas être trop capricieuse. Ouf, le crit qui nous met bien. Ok, on est sur une petite série de crits. J'ai parlé trop vite. Ok, on a 24. 36. 25 de puits restant. C'est un peu léger, hein, ça. On va mettre 2 runes vie. Ok, comme quoi il faut toujours mettre les runes vie, ça passe des fois. 2 ravis. Bah, si on en a 320, ce sera déjà cool.
Ah, même pas. Dommage. Le PA est tombé à la Ra-Répu. Non, à la Rapui, pardon. La Ra-Répu, qu'est-ce que je raconte? Ce qui nous met pas tellement bien en fait. Déjà, on perd beaucoup de puits et on va devoir faire un over là-dessus. Ça passe, ouf. Moins 6, que je vais venir récupérer sur les Répu ici. Parfait. Toute la sagesse. Le moins 27 à chaque fois qu'on se tape là il fait mal quand même hein. Quand on va mettre en récré il faut qu'on monte à 17 donc là j'ai moins 2 et j'ai plus 1 62 restants bon bah on s'en sort bien en fait hein. Ok moins 6 moins 6 très bien 56 de puits bah en fait tout va bien. On va avoir une tenta correcte. 5. Oh, j'ai plus de rune ravie. J'ai vraiment. Je suis vraiment un singe. J'aurais dû aller en faire. Bon, je vais les fusionner rapidos ici. Et 5 ravis, ça fera quand même une belle tenta. Ça, on s'en fout. Hop! Est-ce que le PA repasse sur cette tentative potentiellement pas mal? Allez, on a eu un crit déjà. Ça part bien. Est-ce qu'on a encore une qui passe? Non, mais bon, 368 sur GPR, c'est quand même cool. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Oh! On a le PA. On a le PA. Bah écoutez. C'était chill, c'était tranquille. On voulait juste faire un petit peu la main sur ce nouvel item que j'avais pas trop touché, que je connaissais pas vraiment à vrai dire. Et bon, bah c'est propre quoi. On a du GPR qui a été bien soigné avec un petit over vita. 68 d'over vita, c'est en termes de puits, c'est un tout petit peu au-dessus d'un 2% raise. Alors les comparaisons en termes de puits sont pas toujours très pertinentes, mais les forges de mage résonnent souvent comme ça. Donc on peut dire quand même qu'on est sur un item correct, finalement ça n'a pas été si compliqué que ça n'a pas été très capricieux. C'est un item qui n'était pas très dur à FM, hein, les lignes se montent bien, on peut over partout pour aller chercher le GPRF à chaque fois. Donc il n'y a pas trop de soucis. Normalement je partirais plutôt en tentative de crit sur une pourcent dommage sort ou ce genre de choses. Mais l'item m'intéresse pas plus que ça, donc on va rester sur ce beau petit jet propre. Et c'était juste pour le plaisir de faire une petite session FM avec vous. Voilà, et eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos dans des playlists thématiques que vous retrouverez facilement sur ma chaîne, hein, si vous voulez en avoir plein de pareils à la suite. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez le lien dans la description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.